Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. En route pour Metz, nous avons passé vraiment un très bon séjour en Allemagne et là nous allons retourner vers la France. On est déjà en route, on a pris notre voiture, on est en train de quitter la ville. Ah, c'était génial, oh mon Dieu. Ouais, les filles doivent faire la sieste. Aussi. Moi aussi. Que bon, tu dois faire la sieste. Et toi aussi, papa. Non, moi je conduis. Papa, il veut faire la sieste, il conduit. Et oui, c'est vrai que je veux faire la sieste. C'est quelques jours, j'ai passé des longues soirées, ben, j'ai dormi tard. La sieste me fera du bien, j'ai encore sommeil dans les yeux. Oui, ma chérie. Là, oh, oh, c'est dangereux ça. Te faire mal si on met pas ça. Le soleil. Le soleil. Et là, on va aller jusqu'à Metz. On va passer un petit moment à Metz pour profiter aussi pour visiter Metz, comme je vous avais dit hier. Pas la Metz, chérie. C'est une ville qui s'appelle Metz. Non. Mais si, ma chérie, tu vas voir mon bébé. Non. Mais c'est quoi cette façon? Un bébé. Je suis pas un bébé. Présenter notre chambre, c'est vraiment génial quand on a les enfants. Là, on a trouvé dans la chambre, il y avait trois chambres, il y a trois lits, je voulais dire. Il y a même une autre petite chambre de l'autre côté. Après, il y a le lit pour les bébés. Il y a le lit pour les. Parce qu'il y a beaucoup de chambres ici et c'est super grand. Et là, on peut courir, là, on peut sauter. Ah oui, c'est bien, c'est génial, hein. C'est impressionnant. Et là, après, on peut courir comme ça. Oui. Tu me laisses finir. Après, il y a les trois lits. Mes filles peuvent choisir. Il y a les lits pour les bébés, ce qui est bien. Et il y a la poutre qui sépare là où nous, on va dormir. Et là où nos filles vont dormir. Oui. Et de l'autre côté, tu sors de là, ma chérie?
Allez, viens ici, s'il te plaît. Viens ici. Pas toi. Je parle à ta petite sœur. Voilà. Laisse-moi, je vais finir de filmer, chérie. De l'autre côté, il y a notre lit, le lit des parents qui est juste là. Moi, je trouve que ça va. Hein. Ça va. Et ce que j'aime ici, c'est les poutres. Vous voyez les poutres en bois, moi, j'adore. Moi, j'aime bien quand il y a du bois et tout mélangé. Et puis, il y a aussi ces bois qui est là. Je trouve que c'est trop beau. Et puis, dans notre chambre, nous avons une cafetière. On a tout ce qu'il faut pour nous servir si on a besoin. Et voilà, il y avait déjà les trois lits. Mais aussi, il y a un coin là-bas, il y a un autre lit. Et si vous avez une famille, 1, 2, 3. Si vous avez 4 enfants avec un bébé, même des 5 enfants, c'est vraiment trop génial ici. Moi, je trouve que c'est pratique. J'aime bien quand je viens à un endroit où il y a assez de place, surtout pour les enfants pour courir et pour, pas pour courir, mais pour se sentir à l'aise. Et puis, nous avons notre, là où on peut ranger nos affaires, notre placard. Et puis, il y en a deux. Et voilà, je voulais juste vous faire visiter notre chambre. De notre chambre. Après, il y a encore nos affaires qui sont là. Il faut qu'on les range. Ça va, chérie? Ah ouais, elle est éternue. Eh bien, c'est bien. Après, on a aussi l'ouverture du ciel. On pourra voir les étoiles. Il y a par là. Et il y a de l'autre côté, par ici, là, la chambre des parents. Et voilà, je vous ai fait le home tour. Il y a la salle de bain, il faut que j'allume la lumière. Nous entrons aussi dans la salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut pour les rangements là-bas. Je trouve que c'est assez grand. C'est bon. Il y a la douche à l'italienne, nous on aime bien. Après, il y a sèche et tout. Moi, je trouve que c'est trop sympa par ici. Quand on vient avec les enfants, un endroit bien, je trouve que c'est propre. Et puis, voilà quoi. L'éléphant. Ça pèse cet éléphant là. Oh, ah, faut pas toucher, ça pèse. Il y a tout ce qu'il faut ici. Je voulais juste vous faire visiter notre demeure de 2 nuits. On va passer 2 nuits par ici. Ah, tu veux faire pipi? Allez. Je vais me démaquiller et aussi je vais profiter de vous parler un peu de notre séjour en Allemagne. On a passé un très très bon séjour, c'était vraiment des moments agréables. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma copine. Après, comme je vous ai dit, elle a perdu son papa. On a parlé, on a abordé des sujets, on papotait. Et j'ai dormi tard, elle aussi. En fait, on dormait tard. On regardait à la montre, c'était déjà 1h du matin, on devait dormir. Mais j'ai fait des moments agréables et puis... On a parlé des choses du pays, de nous, de nos familles, de nos enfants et tout. C'était vraiment très agréable. J'ai vraiment aimé et ça m'a fait du bien de la revoir, surtout dans cette période qui est difficile pour elle. C'était vraiment très important pour moi d'aller la voir et essayer d'échanger des idées. Il faut que j'échange de coton. Après, on a passé vraiment un bon séjour. Et puis, quand on est rentré en route, les filles étaient très sages. Il y a mon fiston d'amour qui a un peu pleuré durant au moins une partie vraiment de la route jusqu'à ce qu'on arrive à Metz. Il a beaucoup pleuré. Je pense qu'il devrait être fatigué parce qu'avec toute la route qu'on a fait, il était déjà fatigué. Et on est arrivé ici. Voilà, tout s'est très bien passé. Je sais pas ce que je peux dire. Hier, on était. Vous allez voir le vlog d'hier. Je crois que vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, je vais mettre le lien juste à côté. Nous sommes partis visiter le.
la chocolaterie Lindt et puis on a mangé le chocolat. On s'est vraiment régalé. C'était vraiment chouette. C'était chouette et puis on a bien aimé aussi. C'est déjà propre. En fait, j'ai déjà fait le bain des filles, de mon fiston d'amour. Je les ai donné à manger. Mon mari est en train de... C'est mon mari qui parle derrière. Il est en train de les surveiller. Et mon fiston d'amour, il a déjà pris la tétée. Là, il est déjà au dodo. Il faut que je me démaquille. Après, j'ai déjà fini. Je vois que ma peau est déjà propre. Vous avez vu, les boutons sont déjà partis. Je commence à reprendre ma peau normale. Et je vais me laver. Et après, ça me fera du bien. Et puis, je vais faire un gros dodo. Un gros dodo, j'espère que ma copine aussi va dormir parce que les jours qu'on a passé ensemble, on a presque pas dormi. On a presque pas dormi, on était là à parler. C'était génial. Aïe, aïe, aïe. C'était trop bien. J'ai vraiment bien aimé l'architecture qu'il y a en Allemagne. La construction, elle est très différente que la France et moi j'aime bien. J'ai bien aimé les designs qu'il y avait là-bas et tout. J'ai bien aimé. Là, j'ai fini de me laver. Je suis prête pour dodo. Je vais aller lire pour mes filles d'amour. Pour faire dodo. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Et à bientôt. Maman Africa. Eh, eh. Maman Africa. Oh, oh, je suis contente. J'ai plein de boutons. Quoi, Eric?